والله كنت درتي بلاكات جيت شوفي دار الباك لا بلاك بلاكات جي بالميكرو كات ولا كات جي كيف جيتك دوك انت هدية وقعد لما تشوفيك حتى نكمل وني هو الكورتاج فهم عندهم هذا ولا هذا ما بيش وش منه وصل دور كان اش بنسي هيك هذا اللي مفتوح شفته لي كومبليكاسيون حاجة هذه هي هذا هو هذا لي كومبليكاسيون هذا هلا هذا يا كيما ما راح رحت قد اخر انت انت قبل تروح لي روحي كان جد كان خشب ودي نروح نقول لك بدي باك انفورماتيسيون هذا هو هذا بدي بخلاص كملت هذه السبب ما نعرفك وين هاي هم عندهم يدوروا زيد اطلع سي بون هذه طلعي بالوحدة نطلع زيد اطلع زيد 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 هاني في الكو في الاخرى في الاولى خلاص هنا قاعد تقطع هيك كوما سي دو سي توزي قاعد سي بون سي بون درت هذه سي بون جو سي ان فيلا اللي وراها فوالا انا هنا هاي تروح لي بدك كونيكسيون استابل بعد هاي تقص هاني هنا ما عندي وين نروح خليني نكمل على روحي هنا هاي Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Le traitement de ce coma acido-cytosique. Donc, bien sûr, notre but... c'est corriger l'hyperglycémie, réduire l'acidose, lutter contre cette déshydratation et enfin la correction des troubles ioniques. Donc, au début, lorsque le malade à la phase d'état, début, si le malade, on va être pratique, si mon malade il est conscient, il n'a pas de troubles digestifs, là, je vais réhydrater par voie orale et les quantités de liquide à faire absorber vont être il a une glucosurie acétonurée. Si mon malade présente une glucosurie avec de l'acétone, une glycémie supérieure à 3 grammes, je vais donner de l'insuline rapide. Il n'y a que de l'insuline rapide. On n'utilise que de l'insuline rapide pour réanimer notre malade. Je vais commencer, tant que ma glycémie supérieure à 10, ma glucosurie acétonurée positive, je vais donner de l'insuline en IV, 10 unités, chaque heure, avec surveillance de la glycémie et de la chimie des urines. Dès que ma glycémie elle devient inférieure à 2,5, je vais arrêter la voie IV et passer à la voie sous-cutanée à raison de 10 unités chaque 4 heures. Schéma généralement à maintenir pendant 48 heures, puis on va passer aux différents schémas, le basal bolus qui est le schéma le plus important que nous allons voir dans le chapitre traitement. Et normalement, l'évolution, elle est favorable. Donc, malade conscient avec une cétose, glycémie supérieure à 2,5, acétonurie, glucosurie, je vais donner 10 unités en IV chaque heure. Dès que ma glycémie, avec surveillance, mais dès que ma glycémie, elle devient inférieure à 2,5, là, je vais passer à la voie sous-cutanée à raison de 10 unités chaque 4 heures. Bien sûr, la voie intramusculaire, elle peut, c'est-à-dire que ce n'est pas faux, mais en réalité, en pratique, on n'utilise que la voie intramusculaire ou bien la voie sous-cutanée. Et l'évolution, normalement, elle est favorable. Si nous sommes devant un coma, bien sûr, mise en condition du malade, c'est-à-dire donc, mise en place du sang urinaire, du sang gastrique, un voie d'abord central. Et établir une feuille de surveillance. La réhydratation, bien sûr, le malade il a une déshydratation qui est globale. Bien sûr, elle se fait en deux temps. Si la glycémie, en fonction de ma glycémie, si ma glycémie est supérieure à 3, c'est-à-dire supérieure ou égale à 2,5,
avec glucosurie, acétonurie, je vais commencer par le sérum glucosé salé à 9 pour 1000. Je vais donner 1 litre en 1 heure, puis 1 litre en 2 heures, puis 1 litre en 3e heure. Et je vais commencer en même temps l'insuline en IV, 10 unités en IV chaque heure. Et avec le sérum salé, dès que ma glycémie devient inférieure à 2,5, avec glucosurie, toujours acétonurie, je passerai au sérum glucosé. J'arrête le sérum salé. Je passe au sérum glucosé. J'arrête la voie intraveineuse et je passerai à la voie sous-cutanée à raison de 10 unités chaque 4 heures. Concernant les électrolytes, nous allons dire tout à l'heure que l'hypokaliémie peut entraîner une mort subite. Entre-temps, j'aurais demandé mon bilan d'urgence qui est, on a dit, la fonction rénale, l'hologramme sanguin et ma glycémie. Donc, si je reçois mon hologramme avec une kaliémie qui est inférieure à 3 mg par litre, là, je vais donner 3 g de KCL dans chaque flacon. Si ma kaliémie, elle est entre 3 et 4 mg par litre, je vais donner 2 g de KCL dans chaque flacon. Si ma kaliémie, elle est entre 4 et 6 mg, là, je vais donner une demi-ampoule par flacon. Ensuite, la correction sera poursuivie, bien sûr, quand le malade va s'améliorer par voie orale à raison de, c'est le sérum, c'est le gluconate de potassium, une cuillère à soupe 3 fois par jour, 7 à 10 jours. Bien sûr, on traite toujours la cause déclenchante. C'est une infection qu'on va traiter. Si le malade c'est un IDM, on va faire notre avis de cardio et traiter. Donc, pour, je me répète, pour le traitement du diabète, le traitement de la cétose diabétique. Si le malade présente une cétose qui est simple, réhydratation orale, glycémie supérieure à 3 g et une glucosurie acétonurie, je vais donner de l'insuline intraveineuse. Dès que ma glycémie devient inférieure à 2,5, j'arrête la voie veineuse et je vais donner de l'insuline toujours rapide, mais par voie sous-cutanée à raison de 10 unités chaque 4 heures. Si mon malade, là, je passerai à un malade qui est comateux. Donc, c'est un malade qui est normalement au service de réanimation. Commençons par la réhydratation. Donc, ma glycémie est supérieure à 2,5 et plus. Je vais donner le sérum salé à 9 pour 1000. Je vais commencer mon insuline 10 unités en IV chaque heure. Et je vais donner le potassium en fonction de mon déficit. Dès que ma glycémie, elle devient inférieure à 2,5, je m'en fous de l'acétonurie et de la glucosurie. Je vais réanimer en fonction de la glycémie. Je le dis tout le temps. C'est-à-dire, si ma glycémie, elle baisse au-dessous de 2,5, ce n'est pas la peine de continuer la voie IV. Je vais passer à la voie sous-cutanée, 10 unités en sous-cutanée chaque 4 heures. Puis, on va passer à un schéma qui est habituel pendant le reste de l'hospitalisation. Et on traitera toujours la cause déclenchante de ce coma acido-cytosique. J'ai terminé avec le coma acido-cytosique. On va passer à la deuxième complication qui est également fréquente. Vous êtes pratiquement des pré-internes. Vous êtes appelés à faire des gardes au PU médical. Et vous allez recevoir beaucoup des malades qui font des hypoglycémies. Mais j'attire votre attention que ici, on va faire que les hypoglycémies qui sont en rapport avec le traitement du diabète. C'est-à-dire qu'il y a d'autres causes d'hypoglycémie non diabétique, mais nous allons faire que les hypoglycémies qui sont en rapport avec le diabète. Ce sont des signes en rapport des hypoglycémies, soit lorsque votre glycémie elle baisse au-dessous de 0,70, c'est-à-dire les signes de la apparition des signes adrénergiques. Ce sont des hormones, apparition des hormones, réaction des hormones de la contre-régulation. C'est les palpitations, sueur, tremblement, pâleur, sensation de faim. Si la glycémie baisse encore à un seuil qui est inférieur à 0,50, nous avons les signes de la neuroglucobinie, c'est-à-dire apparition des signes traduisant la souffrance du système nerveux central. Nous avons trouble de la vue, de l'attention, trouble du comportement, quelqu'un qui est désorienté dans le temps et dans l'espace. On peut avoir même des crises commerciales, parfois incoordination motrice. Et enfin, on peut voir un signe de localisation Babinski, donc une nuit ou bilatérale.
Je vous ai dit tout à l'heure, vous avez bien compris que dans le coma acido-acidosique, c'est un coma qui est calme avec un examen neurologique qui est tout à fait normal. Là, par contre, diagnostic différentiel avec le coma hypoglycémique, il s'agit d'un coma qui est agité chez un patient en sueur ou bien coma mouillé. Là, je suis bien en phase d'une, et le parent, par exemple, il peut vous dire que c'est quelqu'un qui est soit traité sous insuline qui peut donner ça, soit qu'il est traité dans une classe thérapeutique qui donne les hypoglycémies, c'est les sulfamides hypoglycémiants que nous allons voir dans le chapitre traitement. Donc, deux causes d'hypoglycémie secondaire au traitement, soit mon malade est traité par insuline, soit mon malade est traité par sulfamide hypoglycémiant. Et le coma des hypoglycémies, c'est-à-dire il est agité et le malade il est mouillé. Quelles sont les causes qui sont en rapport avec cette hypoglycémie? Si mon malade il est traité par insuline, soit c'est un malade qui a fait son injection et qui a raté son repas, soit c'est un repas qui est en suffisance, c'est-à-dire il a fait la dose complète, mais après un certain temps, il a mangé une, c'est-à-dire un repas qui est insuffisant en quantité ou bien en qualité. C'est quelqu'un qui a fait un effort physique non compensé par une diminution de l'insuline ou bien une baisse de ou bien augmentation de l'apport d'hydrate de carbone, c'est-à-dire les malades dans l'éducation, on leur dit. Si vous avez par exemple une activité physique, soit vous réduisez la dose, soit vous augmentez votre portion glucidique. Là, c'est des malades qui ont fait un effort mais qui n'a pas été compensé soit par une perte, soit par un apport hydrique de carbone. On a quatrièmement une résorption trop rapide de l'insuline dans une zone de l'hypodystrophie. Ça peut donner des hypoglycémies qui sont retardées ou imprévisibles, pouvant entraîner des hypoglycémies inexpliquées. Prise d'alcool. L'alcool peut entraîner une insulinosécrétion. Prise de médicaments qui vont inhiber les réactions adrénergiques, par exemple les bêta-bloquants. Et enfin, erreur de posologie. Par exemple, c'est les malades qui ont une complication à la rétinopathie diabétique, bien sûr, ils sont baisse de l'acuité visuelle. Il a 10 unités, par exemple. Au lieu de faire 10, il va faire 20 unités. Là, c'est erreur de posologie. Et donc, ce sont les causes possibles de quelqu'un qui est sous insuline. C'est quelqu'un qui est traité par sulfamide. Là, généralement, la cause la plus fréquente des hypoglycémies, c'est une insuffisance rénale. D'où la règle de toujours, toujours faire des bilans et rechercher toujours si le malade présente une perturbation de la fonction rénale. Quelle est ma conduite à tenir devant cette hypoglycémie? Toujours, je suis méthodique, je suis pratique. Mon malade, il est conscient. Il est conscient. Là, c'est une prise orale de sucre, un sucre rapide, n'importe où. Soit il a un jus, soit qu'il a une cuillère de miel, soit de la confiture. Au pire, tout le monde a du sucre et de l'eau chez soi. Donc, prendre 3 morceaux ou 4 morceaux de sucre dilué dans de l'eau et le relais se fait toujours par un sucre lent. Correction rapide de l'insuline par un sucre rapide, mais toujours complété par un sucre lent. Ensuite, dépister pourquoi mon malade il a fait une hypoglycémie. C'est vrai de dire le malade il a fait hypoglycémie et j'ai corrigé, mais pourquoi ce malade il a fait cette hypoglycémie? Parce qu'on a dit tout à l'heure que des fois, le malade peut présenter même une hypoglycémie, c'est-à-dire comateuse, avec des séquelles qui sont irréversibles. Il peut même faire un AVC. Donc, on fait de sorte que toujours, on recherche pourquoi notre malade il a fait une hypoglycémie, afin, bien sûr, d'éviter la récidive. Là, je passerai à un malade qui est inconscient. Le malade inconscient, je ne m'amuse pas à hydrater ou bien à resucrer par voie orale. Il va faire une fausse route, il va mourir. Là, je vais donner soit une injection en sous-cutané ou bien en intramusculaire de glucagon que je peux renouveler à 10 minutes après, bien sûr, et je surveille la glycémie. Dès que le malade reprend conscience, je vais continuer par voie orale. Si le glucagon n'est pas disponible ou autre chose, je vais passer vous dire, c'est-à-dire, j'attire votre attention que si le malade fait une hypoglycémie sous sulfamide hypoglycémiant, le glucagon il est contre-indiqué. Je me répète, si le malade fait une hypoglycémie sous sulfamide hypoglycémiant, le glucagon n'est pas indiqué. Il est indiqué que pour le malade qui est sous insuline. Là, je vais donner soit le G30,
40 à 80 cc, puis passer au G10. Si l'hypoglycémie survient chez un malade qui est sous sulfamide d'hypoglycémie, c'est-à-dire ce traitement oral, ou l'existence d'une insuffisance rénale. Là, je vous ai dit que le glycagon il est contre-indiqué. Je vais donner le sérum glycosé, puis je maintiens le sérum G10 pendant 48 heures. Et la question est perturbable. L'hospitalisation, elle est indispensable, elle est obligatoire. Je n'ai pas le droit de libérer un malade qui a fait une hypoglycémie sous sulfamide d'hypoglycémie. C'est une erreur médico-légale. Tu dois hospitaliser ton malade sous surveillance. Surtout, en plus, cette hypoglycémie est secondaire à une insuffisance rénale. Donc, le produit, il continue toujours à éliminer, à être éliminé. Et là, le malade peut encore refaire une hypoglycémie dès que je le libère. Donc, j'insiste que le malade qui fait une hypoglycémie sous sulfamide d'hypoglycémie, je n'ai pas le droit de le libérer. Et je ne donne pas le glycagon, je donne le G30, puis remplacé, c'est-à-dire continué par le G10. Et dès qu'il reprend conscience et les biens, je vais commencer, c'est-à-dire le sucre lent. D'accord? Donc ça, c'est des questions sur lesquelles j'insiste. Pas de glucagon et l'hospitalisation indispensable pour les malades qui sont sous la famille d'hypoglycémie. J'ai terminé avec le deuxième coma, c'est les comas les plus fréquents, c'est-à-dire vous êtes appelé à faire des dégâts. Soit vous trouvez les cétoses diabétiques, soit vous trouvez les hypoglycémies. Je passerai au troisième coma qui est quand même un peu moins fréquent. C'est le coma hyperosmolaire qui est défini par quoi? Par une hyperglycémie qui est majeure supérieure à 6 grammes. C'est un malade qui présente une hyperosmolarité plasmatique qui est supérieure à 350 milliosmol par litre. Par contre, il a une absence de cétonurie franche. Donc, il représente 5 à 10% des comas. La mortalité, pratiquement, elle avoisine les 40%. C'est un coma qui survient surtout chez les diabétiques de type 2, dans 95% des cas. Et il est méconnu une fois sur deux. Donc, quelles sont les causes, les circonstances favorisant toutes les situations qui peuvent entraîner une déshydratation? C'est-à-dire, soit quelqu'un qui fait une gastro-entérite, donc avec des troubles digestifs, soit quelqu'un qui présente une infection sévère, soit quelqu'un qui présente des brûlures étendues, ou bien encore quelqu'un qui a pris des médicaments qui peuvent entraîner une hyperglycémie, par exemple les diurétiques, bien sûr, c'est quelqu'un qui est sous un comprimé de l'Azilix, bon, il vit seul, il ne voit pas, ou bien il se trompe, il prend 2 ou 3 comprimés en pensant que c'est un autre médicament, par exemple, ou bien c'est quelqu'un qui est sous corticoïdes. Bien sûr, toutes ces causes déclenchantes, ils vont favoriser l'apparition d'une déshydratation par perte hydrique qui sera aggravée par un abord insuffisant en boisson. Non seulement parce que vous êtes comme c'est généralement, c'est les patients qui sont sujets, âgés plutôt. Et les patients âgés généralement ne veulent pas prendre beaucoup d'eau. Non seulement le malade, il est déshydraté, une hyperglycémie, et en plus, l'accès en eau, il est insuffisant. Cliniquement, nous avons 4 ordres de signes. Des signes généraux comme toute pathologie, soit le malade il est acinique, il est fébrile. Le malade présente des signes neurologiques, c'est le trouble de la conscience allant de la simple obnubilation au coma. Mais, et le grand mais, j'attire votre attention que dans le coma hyperosmolaire, votre examen neurologique il est pathologique. Vous pouvez trouver une asymétrie des réflexes et vous trouvez un signe de Babinski. Alors, si vous avez bien vu dans le coma acido-cytosique, je vous ai dit que l'examen neurologique, à part le coma ou l'obnubilation, votre examen est strictement normal. Et le coma acido-cytosique, je vous ai dit que c'est un sujet qui est jeune généralement. Là, c'est un sujet qui est diabétique de type 2 et il est âgé, d'accord, avec un obnubilé ou bien comateux, avec un examen neurologique qui est pathologique. La biologie, je le dis toujours, elle se fait au lit du malade. C'est un malade qui est comateux. Je vais demander une glucosurie, une chimie des urines, faire une sonde urinaire, recueillir les écueils des urines. La chimie des urines, une glucosurie massive avec acétonurie qui est négatif ou à l'état de trace. Bon, ce qui est logique, comment cette hyperglycémie qui est supérieure à 6 grammes avec une glucosurie massive mais sans acétonurie? Eh bien, un seul mécanisme qui a été avancé,
Si au cours du processus, au début du processus, il y avait une insulinémie qui était suffisante pour, c'est-à-dire pour inhiber la lipolyse, mais elle était insuffisante pour faire pénétrer le glucose dans la cellule. Et c'est ça qu'on explique, donc, la glucosurie importante sans acétonurie. Donc, il y avait un processus qui était suffisant pour inhiber la lipolyse, mais il était insuffisant pour faire rentrer le glucose dans la cellule. Deuxièmement, l'hyperosmolarité. Je vous ai dit tout à l'heure que le bilan d'urgence comporte toujours une glycémie, un ionogramme sanguin, une fonction rénale. Vous avez le bilan rénal terminal, vous avez votre ionogramme sanguin et vous calculez votre osmolarité. Vous avez deux formules, soit la natrémie plus la kaliémie plus 2 multiplié la glycémie plus l'urée, soit kaliémie plus natrémie plus 13 multiplié par 2 plus la glycémie. Si ça sont supérieurs à 350, chez un sujet âgé, déshydraté, signe de Babinski, rote asymétrie, déshydraté, je suis bien en phase d'un coma hyperosmolaire. Le pH et les réserves alcalines sont normaux, bien peu abaissés. La créatinine, puisqu'on a, il y a une déshydratation, il y a une insuffisance rénale qui est généralement aiguë fonctionnelle qui peut se normaliser après réhydratation. Une autre kaliémie, généralement, soit qu'elle est normale, elle est basse. Donc, le coma hyperosmolaire, sujet âgé, diabétique de type 2, qui peut être inaugural, c'est-à-dire qui n'est pas connu, qui est déshydraté, la déshydratation au premier plan, qui présente des troubles digestifs, qui est comateux avec des signes pathologiques à l'examen neurologique, avec une glucosurie massive, sans acétonurie. Votre glycémie, elle est élevée. Il y a des, la lecture à tir, ils disent même supérieure à 30 grammes par litre, avec une osmolarité supérieure à 350. Là, je suis bien en phase d'un coma hyperosmolaire. Sur le plan traitement, c'est des malades qu'on va diagnostiquer et envoyer directement à la consulte, c'est-à-dire à la, aux gens de la réanimation. Donc, puisque la réhydratation et la déshydratation, elle est au premier plan. Donc, je vais réhydrater mon malade. Cette réhydratation a été en deux temps. Donc, on va rétablir une volumie efficace par la perfusion du sérum salé isotonique anaphorique. C'est toujours le même principe. Votre glycémie supérieure à 2,5, vous avez des glycémies supérieures à 2,5, 3. Là, c'est, vous avez des glycémies qui sont jusqu'à 6 grammes. D'accord? Avec une glucosurie, je vais commencer par le sérum salé isotonique. Parfois, si le mal présente un collapsus, je peux donner des macromolécules ou bien du sang ou des substituts. Je vais commencer par, c'est madame qui est hospitalisée en réanimation, je vais donner le traitement par la pousse, l'insuline, par la pousse seringue électrique, par de faibles doses, 3 à 5 unités par heure, par la pousse seringue électrique. Donc, ce n'est pas la peine de baisser la glycémie rapidement pour ne pas, encore, je vous ai dit, pour ne pas engendrer un œdème cérébral. Donc, c'est-à-dire je vais donner des petites doses d'insuline. Dès que ma glycémie elle devient inférieure à 2,5, je vais arrêter le sérum salé et je vais introduire le sérum glycosé. Et je vais espacer mes doses d'insuline. Je vais passer à 5 unités chaque 4 heures. Et entre-temps, c'est un coma. Je vais faire la prévention du coma. Donc, hypotension par collapsus. Œdème cérébral qui est favorisé par la correction trop rapide de l'hyperglycémie, d'où la règle de commencer petit à petit mes doses d'insuline. Encore, j'attire votre attention pour la kaliémie. Je traite dès le début ma kaliémie pour éviter une mort subite secondaire à cette hypokaliémie. Donc, c'est ma kaliémie inférieure à 3 mg. Je vous ai dit dans le coma acido-cytosique, ma kaliémie inférieure à 3 mg, je vais donner 3 grammes dans chaque flacon. Si elle est 3 et 4 mg, je vais donner 2 grammes. Si elle est entre 4 et 6, je vais donner un demi-flacon. Et bien sûr, c'est des sujets généralement âgés qui ont des accidents, donc de crainte de faire des accidents thromboemboliques, on va donner une héparinothérapie préventive. Et enfin, on traitera, bien sûr, c'est par le facteur déclenchant. Donc, la réhydratation qui fait en deux temps. Si ma, kaliémie, si ma glycémie supérieure à 2,5, je vais commencer par le sérum salé. Si ma glycémie baisse au-dessous de 2,5, je vais donner le sérum salé. Glycosé, pardon, supérieur à 3 grammes, supérieur à 2,5, sérum salé, inférieur ou égal à 2,5, j'arrête le salé, je passe au glucosé. Je vais donner l'insuline, c'est ma glycémie supérieure ou égale à 2,5, je vais donner des bolus de 3 à 5 unités. Dès que ma glycémie devient inférieure à 2,5, je vais passer à une distance à 5 unités et bien sûr, je traiterai
des facteurs déclenchants et une héparinothérapie préventive. Donc, je terminerai par l'acidose lactique. C'est un coma qui est très rare. Moi, personnellement, je n'en ai jamais vu. C'est encore plus facile. C'est endomo. C'est quelqu'un qui est âgé, qui est traité par la metformine. La metformine, vous recevez au PU médical quelqu'un qui est obnubilé ou bien comateux. Les parents vous disent que c'est un malade qui est traité par la metformine. C'est probablement que vous êtes en face d'une acidose lactique, qui est une complication rare, mais grave, définie par un tableau clinique et biologique d'acidose sévère avec un taux de lactate qui est supérieur à 5 millimoles par litre. Le pronostic il est très sévère avec une mortalité qui dépasse les 50%. Cette complication, je viens de vous dire qu'elle survient sur un terrain particulier. C'est un diabétique de type 2 qui est âgé, traité par les biguanites. Bien sûr, chez qui les contre-indications et les précautions d'emploi n'ont pas été respectées. Donc, en deux mots, sujet âgé, le biguanite. Cliniquement, ce sont des douleurs diffuses, crampes musculaires, douleurs abdominales thoraciques, troubles de la conscience allant de la simple obnubilation au coma, pas présent. On peut trouver une polypnée, mais sans cause acétone, mais il n'y a pas l'acétone qui peut dire que c'est un coma acido-cytosique. Et enfin, la déshydratation, elle est absente du fait d'une oligo-anurée précoce. Donc, c'est clair, sujet âgé, sous metformine, qui a des douleurs, il est obnubilé, une polypnée, mais on ne trouve pas, je vous ai dit qu'il y a l'odeur acétonique de pomme rainette, de fahalimpouria. Et c'est un malade contraire, il n'est pas déshydraté. Donc là, ce n'est pas un coma acétocytose qui est déshydraté et la polypnée et l'hyperventilation. Ce n'est pas un coma hyperosmolaire où la déshydratation, elle est au premier plan. Là, vous avez une hyperglycémie qui est modérée entre 2,5 et 3,5. La glycosurie, soit qu'elle est positive faiblement ou bien elle est nulle, mais sans acétonurie. L'acidose, puisque c'est un coma, l'acidose se traduit par un pH qui est inférieur à 7. Et la lactatémie, c'est tout le coma, l'acidose lactique survient chez tous les malades. Soit nous avons deux cas, soit un défaut d'épuration en cas d'insuffisance rénale ou hépatique, soit toute situation d'époxie tissulaire, par exemple une intoxication au CIE, une insuffisance cardiaque sévère, une anémie sévère, peut entraîner une déviation, c'est-à-dire une déviation des pyruvates en lactate, et là on a une acidose lactique. Et l'hyperkaliémie, je vous ai dit, par anurie qui est constante. Un seul traitement, c'est normalement c'est le respect de contre-indications, parce que quand il survient, le seul traitement, c'est la dialyse. C'est la dialyse et pour lutter contre l'acidose, on peut donner le sérum bicarbonaté, mais sachez que le sérum bicarbonaté, ça fait je peux vous dire simplement qu'il y a une dizaine d'années qu'il est en rupture dans nos hôpitaux. D'accord? Mais le traitement, c'est-à-dire le coma quand il survient, il est généralement mortel. C'est pour ça, le seul traitement, c'est la prévention et le respect des contre-indications des biguanides. Quelles sont ces contre-indications? L'âge supérieur à 65 ans, du fait du déclin physiologique de la fonction rénale. Mais sachez qu'en pratique, on a même des malades qui sont âgés, mais qui ont parce que les traitements par biguanide ou autres sont contre-indiqués lorsque ma clairance elle est inférieure à 30 ml par minute. Mais sachez qu'en pratique, on a des malades qui ont une clairance malgré qu'ils sont plus âgés, 70 ans, 75 ans, mais leur clairance de la créatinine elle est supérieure à 30 ml. Je peux faire bénéficier mon malade de ce produit parce que sachez que la metformine ou bien les biguanides, c'est le premier traitement chez un diabétique dès la découverte de diabète. Nous allons revoir ça dans le chapitre traitement. Donc, on va arrêter les biguanides sont contre-indiqués en cas d'insuffisance cardiaque ou bien respiratoire. Je vous ai dit, c'est toute situation d'époxie tissulaire peut entraîner une déviation des pyruvates en lactate, soit un défaut d'épuration, c'est-à-dire en cas d'insuffisance hépatique ou rénale, ça peut entraîner une hyperlactatémie. Et enfin, l'emploi des biguanides sera arrêté 48 à 72 heures avant une anesthésie générale ou bien avant une radiographie de produits de contraste de peur d'entraîner une insuffisance rénale aiguë et ainsi causer une acidose lactique.
Y a-t-il des questions? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Y a-t-il des questions? Donc, si je vais me répéter au être, c'est-à-dire un petit résumé, dans le coma acido-cytosique, qui est le coma le plus fréquent, vous avez un sujet généralement qui est jeune, qui est déshydraté, qui a une hyperventilation, qui est obnubilé ou bien comateux, avec un examen neurologique qui est strictement normal. Je fais le diagnostic au lit du malade. Il a une glucosurie, acétonurie, une glycémie, dysurie supérieure, une glycémie qui est supérieure à 3 grammes. Là, je vais commencer le traitement par le. Si le malade il est conscient, je vais faire la réhydratation orale, puis je vais instaurer l'insuline. Il n'y a que de l'insuline rapide qui est utilisée. Donc, l'insuline rapide, je vais donner ma glycémie supérieure à 3 grammes, 10 unités en EV chaque heure. Avec réhydratation orale. Dès que ma glycémie baisse au-dessous de 2,5, je passerai à la voie sous-cutanée, c'est-à-dire 10 unités chaque 4 heures. Et je continue toujours ma réhydratation. Et je peux donner le sérum de Cassiel par voie orale. Si mon malade il est comateux, ma glycémie toujours supérieure à 3, glycosurie, acétonurie, je vais commencer par le sérum salé et 10 unités en EV en parallèle chaque heure, avec la supplémentation en potassium après avoir. C'est-à-dire récupérer mon bilan, mon ionogramme sanguin. Dès que ma glycémie elle devient inférieure à 2,5, je passerai à la voie sous-cutanée, 10 unités chaque 4 heures. Je vais arrêter le sérum salé, passer au sérum glucosé, d'accord? Pendant, c'est-à-dire schéma 10 unités chaque 4 heures, maintenir pendant 48 heures. Je traiterai entre-temps la cause déclenchante. Dans le coma hypoglycémique, soit que le malade il est conscient, je vais donner le sérum, je vais donner un sucre rapide. Et le relais toujours se fait par un sucre lent et je cherche toujours la cause. J'attire votre attention pour le coma hypoglycémique ou bien l'hypoglycémie. Si ton malade fait une hypoglycémie secondaire au sulfamide, il faut hospitaliser le malade et ne donnez pas le glycagon parce que il va risquer encore d'entraîner une insulinosécrétion, donc risque d'hypoglycémie. Par contre, et là, ne libérez pas le malade. L'hospitalisation, elle est indispensable, minimum 48 heures. Par contre, si vous recevez un malade au PU qui fait une hypoglycémie sous insuline, vous pouvez faire votre enquête, trouver la cause, et puis vous corriger, vous pouvez libérer votre malade. Et d'or, chose qui n'est pas faite avec l'hypoglycémie sous sulfamide. D'accord. Si le malade, par contre, il est inconscient sous insuline, vous donnez le glycagon, dose que vous pouvez renouveler 10 minutes après, puis vous maintenez par le G10 ou bien le G30. Le coma hyperosmolaire, c'est un sujet qui est âgé, qui est déshydraté, qui est comateux avec un examen neurologique qui est tout à fait anormal. Donc, si je fais la différence par rapport au coma acétocytosique, l'examen neurologique, il est normal. Et le sujet, il est jeune. Dans le coma hyperosmolaire, c'est un sujet qui est âgé et son examen neurologique, il est pathologique. Alors que la déshydratation, elle existe dans les deux. Le coma hypoglycémique, c'est le contraire. C'est un coma qui est agité. Le malade, il est mouillé. Je passerai au quatrième coma qui est rare, l'acidose lactique.
C'est très simple. L'interrogatoire vous oriente en clinique. Si vous faites un bon interrogatoire, vous êtes orienté dans 90% des cas, je dirais. C'est le malade vient avec les parents, il est obnubilé, dans les vapes, il a des douleurs abdominales. Et le malade, les parents vous disent que ce malade, il est sous metformine. Là, vous êtes à coup sûr devant une acidose lactique. Ce sera le bilan rénal qui va confirmer. La lactatimine, non, c'est 1,5 millimol. Et là, on va trouver jusqu'à supérieur à 5 millimol. Soit que le malade, c'est-à-dire c'est quelqu'un, ou bien c'est sans, c'est pas sa faute, c'est son médecin, où là, le malade n'a pas respecté les contre-indications. Par exemple, le malade a une insuffisance rénale. Dès que la clairance est inférieure à 30, je vais arrêter les antidiabétiques oraux, et surtout la metformine, le glycophage. Si le malade présente une insuffisance cardiaque, je vais arrêter. S'il a une insuffisance respiratoire, je ne donne pas, je vais arrêter. Si le malade présente une insuffisance hépatique, d'accord. Tout ça, ce sont des contre-indications pour ne pas donner. Donc, le meilleur traitement, je redis, c'est le respect des contre-indications. D'accord. Y a-t-il des questions? Est-ce que vous m'entendez? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Oui, les commentaires. Oui. Ça m'a dit des questions. Des questions, je sais bien. Non, conversation. Ah, mais je crois que tu as dit. Je vais le continuer. Merci, docteur. La physiopathologie de l'acidose lactique. Voilà, on dit que tu es là. La réponse est là. La réponse est là. La réponse est là. La réponse est là. Bon, votre collègue m'a posé une question sur la physiopathologie de l'acidose lactique. Je vous ai dit, c'est toute situation d'époxie tissulaire pour entraîner une déviation des pyruvates en lactate. C'est-à-dire, ce que je venais de vous dire, si le malade, il a une c'est-à-dire soit il y a deux, soit un défaut d'épuration, soit une anoxie, soit un défaut d'épuration. Quand je venais de vous dire tout à l'heure. Bonne santé. L'acidose lactique. Dans toute situation d'époxie tissulaire, dévier, c'est-à-dire les pyruvates en lactate. Et de là, on a une hyperlactatémie et de là, on a une acidose lactique. Donc, si le malade présente une insuffisance cardiaque ou bien respiratoire, c'est une hypoxie tissulaire, donc déviation des pyruvates en lactate. Si le malade présente un défaut d'épuration, c'est-à-dire une hyperproduction des lactates secondaires à une insuffisance hépatique ou bien une insuffisance rénale, c'est-à-dire il n'y a pas assez d'épuration et le produit il est toujours là, il y a une hyperlactatémie. Est-ce que c'est bon? Je vous ai répondu, madame. Allô?
Donc, pour la physiopathologie de l'acidose lactique, nous avons deux mécanismes, soit une époxy tissue.